Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir pour Score Exact d'entrer la caille. M'envie saluer chaque grand monde qui toujours like, partager, commenter vidéo nous. Merci pour support nous et m'a dit nous pas jamais suspendre faire ça. Ou même qui tombe sur vidéo ça pour la première fois, nous vous merci et n'a pas invité à abonner, activer cloche notification pour pas jamais rater une vidéo nous. Et pendant que vous regardez nous là, si vous avez envie de supporter Chanel là, vous avez deux numéros de contact. Qu'on capable taper, c'est 37 15 65 73 35 41 02 45. Et merci déjà avec tout le monde qui a gagné pour relayer dans le numéro ça. Nous allons passer un bon moment ensemble. Nous avons pile d'informations, nous allons partager ensemble avec vous. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo qui font triplé jeudi. Mbappé, côté que il y a plusieurs rumeurs sous départ ou bien prolongation dans Paris Saint-Germain. Nous allons parler de belles victoires que Real Madrid fait, mais ils ont perdu Vinicius. Nous allons dire que font Tichita et ou bral servi nous gain en pile information nous bral partage. N'a commencé avec nouvelle en Espagne pour nous parler de Luis Rubial. Luis Rubial depuis dimanche l'a fait la une des journaux côté que l'été embrassé sous bouche une joueuse qui était championne dans Coupe du monde féminine ça qui t'a fait Australie Nouvelle-Zélande. Joueuse ça c'est une joueuse FC Barcelone que lié et les Jenny Hermoso et jodi an dans assemblée générale qui t'a fait dans fédération et espagnole là monsieur dit ouvertement que li pap démissionné et gagne un comportement qui était tout le monde perplexe parce que c'est sous applaudissement que en pile moun nan salle là t'es d'accord décision en Luis Rubial. Luis Rubial dit c'est un baiser qui était consentant et il dit bon ça il était capable beau petite fille tout sous bout si toutefois petite fille là t'es fait un bagage que le content. Mais nous gagne Jenny Hermoso qui dit lui-même il lui pas consentant pour le beau pièce moun et gen en pile détracteur tout qui dit que c'est parce que il était aguiché président qui fait président capable de gagner un tel comportement. Il dit non, jamais au grand jamais il pas jamais aguiché président et gen en pile décision en pile monde levé campé contre ça. Gen en pile club en Espagne qui pas d'accord comportement Luis Rubial là et gagner FC Barcelone même qui pi touché parce que c'est joueuse il dit que il condamné comportement Rubial et l'irrité quoi que fédération a bien pour prendre une décision ferme avec Rubial. Si Rubial dit les papes démissionner, on y a c'est UEFA avec FIFA qui pour prendre décision finale là. Mais on pensait que si tout le monde s'en va lever contre un beau jour, un beau l'heure, après on doit démissionner parce que on pensait monsieur pas capable de faire travailler bien avec toute plainte ça et conseil de petites vidéos qui a sorti. Je dis monsieur t'es pas prendre comme fédération à la MLS là ensemble avec lui à la MLS pour le deal à la réunion. Mais pourtant c'est ti fòm li te konn mené sorti tout ça yo ap sorti et puis gan pile l'autre bagay k ap sorti tout m'pense que Rubial li a deux doigts pour le quitter c'est en fédération mais nous même n'ap la pour nous dire qui décision que yo prend contre Rubial. Nous allons en France pour nous parler de Paris Saint-Germain. Matin gen en pile journal qui sorti article et yo tous gen une seule idée qui a dirige journal sa yo, c'est que Mbappé après match lancelan demain il va faire une déclaration d'après journal sa yo, les nous prend en foot mercato l'équipe plusieurs autres journal encore yo dit que Mbappé c'est dilap qui était équipe là dans fin mercato. Mais un peu plus tard clan Mbappé a dit non parce que Mbappé l'a prêté au moins pour saison 1 dans Paris Saint-Germain. C'est après déclaration Mbappé a nous al konnen qui est dans deux informations ça yo qui réel parce que yon là dedans yo a réel quand même et si Mbappé t'a fait première information réelle monsieur t'a méchant pile parce que ou mandé pour jouer ça ou vini ou fait un pile jouer aller ou connaît ou pas prêté dans Paris Saint-Germain parce que il t'a passé jouet là ridicule trop pense là il t'a comme si coupe la ta pleine si Mbappé t'a fait ça mais m'espérer que les gens qui parlent avec lui pour une autre décision bien que il dit il pas braler libre à faire prolongation il pour coucher ta sous lui mais dans week-end on a connait qui décision que Paris Saint-Germain ou bien Mbappé prend pour avenir ou bien pour ça qui lié avec Paris Saint-Germain. Nous allons aller en Arabie Saoudite pour nous parler de Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, nous connaît que qui débarque en Arabie Saoudite. Et pour saison 2023-2024, là, deux premiers matchs que Al Nassr a joué, Al Nassr a perdu tous les deux. Mais je dis, hein, Cristiano renaître, c'est comme si c'est Cristiano 2015, 2016, 2017 là que nous t'ai joint jodi hein. Cristiano claqué un triplé avec un passe décisif et Sadio Mané fait doublé. Victoire ça a fait Cristiano bien équipe li en placé en 10e position, mais nous espérons que victoire ou enchaîner parce que Al Nassr gagne mauvaise habitude pour pas enchaîner avec victoire et Cristiano jodi hein, il était amplement important pour victoire ça après que équipe là t'ai fin qualifié pour Ligue des Champions dans la zone asiatique là. Bravo à CR7 qui offre nous une belle prestation jodi. Dans week-end là, a gagné en pile belle match. Tout championnat ou net recommencé. En Angleterre, n'a gagné Tottenham qui a joué face à Bournemouth. N'a gagné également à 10h Tottenham lancé à 7h30. À 10h n'a gagné Arsenal qui a joué face à Fulham et à même 10h n'a gagné Manchester United face à Nottingham Forest et à midi a gagné Brighton face à West Ham. Dans Bundesliga a gagné match mais Bayern n'a pas joué demain. Mais ça pas empêcher que à 9h30 pour nous gagner on Dortmund qui va aller en déplacement Kai Bochum et Leverkusen qui t'ai fait une belle victoire sur Leipzig dans premier match de pour saison 1 li va aller en déplacement Kai Mosheng Blackback et Darmstadt qui c'est un promu qui t'ai vraiment kembé en série B en Allemagne là li monté en première division li va jouer avec Union Berlin qui t'ai mené classement dans saison qui passait à mi à la fin c'était pour Bayern qui t'a fait place il t'ai chuté et c'est un bel match. En Espagne, pas gagné en pile match. C'est dimanche que FC Barcelone a joué. N'a gagné à 1h10 qu'a recevoir Almeria, à 1h30 n'a gagné Granada qu'a recevoir Mallorca et à 3h30 PM n'a gagné Séville qu'a recevoir Girona. Dans Ligue 1, hein, n'a gagné à 1h Olympique de Marseille qu'a recevoir Stade Brestois et dans Parc des Princes Paris Saint-Germain a recevoir Lens après match ça soit après match ça net ou bien dimanche Mbappé a gagné pour lui parler c'est ça tout monde net apte. En Italie n'a dans deuxième journée hein, à 12h30 n'a gagné Frosinone qu'a recevoir Atalanta à même 12h30 là Monza a recevoir Empoli 2h45 Verona a recevoir AS Roma et à même 2h45 n'a gagné Milan qu'a recevoir Torino c'est comme ça différents matchs à pied dans différents championnats européens. N'a pour retourner en Espagne pour nous parler de FC Barcelone. FC Barcelone qui a joué dimanche face à Villarreal. FC Barcelone gon série de blessures dans début de saison là qui commençait à attaquer. Nous connaissons que FC Barcelone pas bien présent Xavi avec Rafinha, deux monde ça pas blessé ou blessé suspension que ont gagné. Yo pas gagné présence Pedri qui blessé pour plusieurs semaines et dernière information qui sorti sur FC Barcelone Balde capable pas jouer dimanche. Mais mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle ou toujours venir ensemble avec yo. Jodi an Marcos Alonso qui s'est doublé au Balde, li inscrit et dimanche nous gendo wè c'est Balde qui commençait, c'est Alonso qui commençait dans place Balde a, si toutefois jeune nan ta continuer c'est un jeune que li gagne qui pas grave mais ou pas prend chance avec Balde parce que nous connaît li son joueur qui vraiment important pour FC Barcelone. Jodi an Real Madrid t'es joué. Real Madrid t'es joué et c'était deuxième match dans troisième journée. C'est Real Madrid qui t'es joué. Real Madrid t'es en déplacement KS Celta Vigo. Real Madrid li bat 1-0. Son goal qui vini tardivement. C'est Jude Bellingham qui fait goal encore une fois. Noué Anglais, c'est comme si la renaître. C'est monté Bellingham a monté bien que dans poste que on mettait là pour qu'on capable adapter mais nous vinn voir que dans Jude Bellingham lycée on renard des surfaces Jude Bellingham li gagne un sens aisé pour le capable poster devant c'est ça qui fait en pile monde vinn voir Jude Bellingham a joué avant centre mais c'est pas avant centre que là je c'est comme s'il gonflait côté goal là il senti c'est là pour lui Jude Bellingham il sauver les meubles
pour Real Madrid. Et en trois matchs que Anglais a joué depuis le débarqué dans l'équipe ça pour la somme de plus de 110 millions, lui fait 4 goals, lui MVP tous les 3 matchs. Et lui égalé un joueur qui est Eden Hazard qui est débarqué dans Real Madrid en statut de superstar, en statut de titulaire, mais après plusieurs matchs, il vient perdu galon, il vient tourner ça tout le monde connaît le tourner. Il était fait seulement 4 matchs en Liga en 5 saisons et Jude Bellingham vient en fait 4, il était fait 4 goals dans Liga en 5 saisons et Jude Bellingham lui-même il vient en fait 4 goals là et Bellingham parti pour le faire en pile goal. Bellingham nous voit que rôle que Kaká te joue dans Milan, c'est même rôle ça que Ancelotti envie faire d'une Bellingham. Nous songe que Kaká était dans Milan, c'est 10 qu'il te conduit, mais ça va empêcher brésilien te fait en pile goal. Et nous c'est presque même cas de figure là, Bellingham oui pour qu'a connecter devant avec derrière avec devant, mais ça va empêcher tout. Jude Bellingham a marqué point et supporter yo tout en unanimité, c'est Jude Bellingham parce que il y a 3 matchs pièce ça yo c'est lui même qui sorti Real Madrid, il fait 4 goals, il fait un passe décisif, bravo à Jude Bellingham. Mais n'abdou que Celta Vigo, il était fait un goal, c'est lui même qui était marqué avant, va retirer parce que tu gagne au jeu. Mais Real Madrid te joint en pénalité. Pénalité ça t'est shooté à la 69e minute de jeu par Rodrigo. On Rodrigo qui pas premier tireur là c'est Modric qui t'est rentré après l'heure de jeu, soit à la 62e minute de jeu. Rodrigo, j'ai un malin plaisir, il rate pénalité mon. Et caméra qui était sous Ancelotti, il a montré réaction italien côté que ça qui était dans maintenant, il jetait Ancelotti était dans tous ses états. En conférence de presse, Ancelotti dit lui-même n'y pas comprendre que c'est Rodrigo qui chutait pénalité parce que Modric était sous terrain, mais peut-être Modric sent-il aller, il était en vie by Rodrigo confiance et Rodrigo pour te gain droit Kolo Soudol, même Jean, le ote bal premier tireur face à Kouassi, qui doit se même trak sa qui prenne, li rate pénalité a, mais heureusement te gagne Jude Bellingham qui sauve les meubles pour. Fok Real Madrid fait monsieur sa au travail, situation sa, travail et pénalité yo, parce que Rodrigo poko bon, Vinicius qui troisième tireur poko bon, Modric li pas titulaire encore dans équipe ça, mais chan nou vin wè que Kamavinga, Tchouaméni, Valverde a joué. C'est sûr que yon nan monsieur Sayo kapran ban pou Modric jouer, mais si toutefois Modric toujours ces minutes la grapye, tout dépend de nan moment que Real Madrid joue une pénalité a fok yo fon jan pou yo capable faire monsieur Sayo travail pénalité a plus et c'est entraîneur qui pou fait ça pour monsieur Sao ka plus performe. Nous vinn wè que Real Madrid li fait victoire c'est vrai 9 sur 9, li prend un seul goal Real Madrid pour le moment côté que l'autre journée l'autre match pour que je c'est lui même qui leader et Liga, mais nous Real Madrid li gagne un gros problème. C'est comme sous Real Madrid c'est une équipe qui sans fondement, une équipe qui pas gagné un créateur de jeu dans mi-temps terrain parce que Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, mais juste ça yo mettez tous les trois ensemble, yo pas ka fait jouer. Et ça que fait me dit nous tout à l'heure là, youn nan monsieur Sayo a obligé prendre banc quand même pour yo mettre soit Kous soit Modric parce que si Real Madrid était comme ça. Oui, gain victoire, c'est vrai, mais Real Madrid, j'en ai dit nous, il bloqué tête li parce que manque connexion surtout dans système 4-4-2 a. Oselu li devant, c'est vrai, Léo bal joué, mais ou vinn wè que Real Madrid li pas marché réellement vrai, faut yo changer ça parce que et il gagne un special one dans tête li qui c'est Ancelotti parce que li mieux placé pour le problème nan passé, mais ça fait jodi an nou wè que li monté Modric à la 62e minute de jeu, c'est montré de temps en temps monsieur gen doit prendre plus minutes et nous capable youn nan trois monsieur sa yo perdu place yo nan 11 de départ Real Madrid. Gagne l'autre problème encore qui passé dans match ça, c'est blessure Vinicius li quitté
coéquipier lui à la 17e minute de jeu. Vinicius gagné en blessure au ischio jambier, c'est ça Ancelotti confirmé. Et blessure ça au gagné, c'est 2 à 3 semaines ou passé hors du terrain. Pour plus long c'est 1 mois. Demain matin a bien IRM qui a passé sous joueur, nous même dans après-midi n'a dit exactement pour combien durée que Vinicius par là, mais on vient nous tout dans tout championnat où on série de joueurs 4 cas blessés. C'est parce que pas gain repos, parce que saison elle est finie après finale Ligue des Champions qui fait 10 juin. Juillet te gagné rassemblement et commencé gain entraînement, gagné pré-saison et gagné joueur tout qui te fait rassemblement avec équipe yo. Ou vinn wè joueur yo vraiment yo pas reposé vrai, c'est ça qui fait qu'on y a gagné en pile surcharge et équipe la Liga qui puisse toucher c'est FC Barcelone avec Real Madrid qu'on a ses job pour en préparateur physique yo pour faire job yo pour capable aider joueur yo reprendre yo bien vite parce que 19 septembre c'est Ligue des Champions, n'a besoin tout joueur pour capable gagner bel match et c'est pas seul dans Liga gagne joueur blessé, c'est presque dans 5 championnats yo et nous Arsenal qui fait cachon défenseur monsieur gagne tant blessé yo. Et monsieur blessé pour longtemps, c'est un autre défenseur on va chercher. La blessure yo frappé dans porte tout joueur qui c'est premier ennemi tout joueur qui gagne dans football. Demain n'a pas là pour nous venir avec tout résultat qu'a fait dans différents championnats. Nous t'es content passer petit moment ça ensemble avec vous. Nous souhaitons tout le monde qui t'a regardé nous là un bon week-end. Soit à boire pas conduit, soit conduit pas boire. Non pas Monsieur Mirlord. Bon remets nous en pile. Bye bye tout le monde. À très bientôt.